Salut à tous, c'est Monsieur BigTasty74 pour une vidéo sur Amnesia The Dark Descent. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis nouveau joueur sur PC. Je ne connais pas vraiment le moyen pour être à l'aise sur un clavier et une souris. Mais on va quand même jouer à ce jeu. Donc on m'a dit qu'il était plutôt pas mal, il faisait bien flipper. Donc je voulais voir ça. Et je ne connais pas du tout le jeu, j'ai regardé 2-3 vidéos. Surtout celle de Zordiash, qu'on peut trouver sur YouTube, qui fait des vidéos, des tests de vidéos. Carte spéciale, enfin personnalisée de Amnesia. Donc allons-y, c'est parti. Allez. J'espère que je vais flipper parce que c'est le but. Hein. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. This is crazy. Don't forget. I must stop him. Oh. Focus. My name is... Daniel. C'est Daniel, ton nom. I am Daniel. Tu vois, je te l'avais dit. J'ai compris, c'est que le gars il s'est éclaté, il est dans un château hanté, enfin je sais pas quoi, tout seul, tranquille, on s'est dit. En tout cas, il a l'air fatigué là. Tu te relèves s'il te plaît. Allez, bouge. D'accord. J. J'appuie sur M, mais rien ne se passe. Il faut donc que j'appuie sur J. Mementos. Suivez la traînée liquide et trouvez sa source. Oui, ok. Y'a quoi ici? Y'a rien. Tant pis. Donc. Voilà. Voilà, il se passe quoi là, le bonhomme là? Oh, il a couru. Hein. Vu que j'ai vu que 2-3 vu que j'ai déjà vu 2-3 vidéos sur ce jeu, je sais ce qu'il faut trouver de l'amadou. Ah bah, en parlant de ça, là bas il y a quelque chose. Donc qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Ben écoutez, je ne sais pas. Je vais faire de l'Amnesia. Oui. Je vais faire du Modern Warfare 3, je pense, dès que je l'aurai installé. Je vais faire du Battlefield 3. Du Minecraft. Je vais faire un contenu plutôt wish, plutôt large, plutôt bien diversifié pour que ce, à l'occasion des personnes qui s'abonneront et qui me regarderont, bah, on sait jamais, hein, tout peut arriver. Je peux avoir la chance d'avoir ça et d'avoir des personnes qui me suivent, ça c'est vraiment cool ça. Et je vais donc faire plusieurs types de vidéos. Après vous proposerez des choix, dites-moi d'acheter des jeux selon si ça vous plaît, vous voudrez que je fasse un test, ça me dérange pas du tout, dès que j'ai de l'argent j'achèterai. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition, quelle qu'elle soit, sauf certaines. Oui. Bon, arrête de faire l'autiste et lève-toi. Pourquoi tu te casses la gueule? S'il te plaît, merci. Pour l'instant j'ai pas peur. On m'a dit que le début était long et un peu pénible. C'est gentil, tu montes le chemin. Il fait noir là-dedans. Il y a peut-être le croque-mitaine. Bon. Comment on peut se cacher là-dedans, c'est pas mal. Oh putain! Pas de taper dans les... Non. C'est quoi? Oula, vous, il vient flou, c'est quoi ce délire là? Lorsque vous saisissez un objet, appuyez sur le bouton droit. Ah oui, bah c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est très intelligent. Franchement, ceux qui ont fait le château sont très très intelligents. Ils ont des tableaux à montrer, mais en fait, ils les cachent avec des draps. Oui, c'est logique. Ok. Hop. Tiens, des vêtements.
si je vais me changer, ça peut être pas mal. J'ai l'impression que ça marche pas le... Oh. Attention, lorsque vous êtes dans le noir, équilibre mental, on sera un peu affecté. Allumez les lumières disponibles dans les environs en utilisant des boîtes d'amadou. Partez à la recherche d'autres sources de lumière. D'accord. Donc, ça doit être s'allumer à l'amadou. Voilà, ça sert à rien, de toute façon. Suivre les traces roses, ouais. Il fait bien sombre. Il fait bien sombre. J'aimerais trop là d'un seul coup. Bon. Une porte. Vieilles archives. Une saveur aromatique de rose lui resta dans la bouche. Des locums, pensa-t-il. Comme ceux du consulat de Constantinople. Bah, il a voyagé, hein. J'ai entendu des bruits de pas, j'ai pas trop aimé. On va pas s'en faire. Un livre, ça parle de quoi? De Manzarsnetch. Ouais. Casse-toi. Oh. J'ai une petite peur. Ça me plaît. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Si c'est de la manou ça. Oh là là. C'est quoi ce délire? Voilà. Comment on va dans le menu? Attends, attendez. AAE. Ok, c'est pour se pencher. Tabulation. J'ai le d'Amadou, j'ai le journal. Tout est ok. Un léger mal de tête. Non, attends, j'ai cru voir une note. Bon. J'ai cru voir un bout de papier. Donc. Il faut que je suive les traces roses. J'ai éternué, donc j'ai coupé mon micro. Alors, un bouquin, j'ai pas envie de lire là. Oh, y'a rien là. Ah si. Nanani, F pour allumer. Super. J'ai cru que c'était un couteau. J'ai dit chouette, je vais pouvoir me défendre. Ah bah tiens, on va essayer tout de suite. C'est clair que dalle, c'est quoi ces lampes torches là? Nous voici rentrés dans une nouvelle pièce. Oui, tout à fait, un tremblement de terre. Waouh, j'ai cru que c'était un coffre. Sans... Hop. Allez, Oust. Ah, de la manou. Oh, il se passe quoi là? J'ai un petit bug de clavier, il a continué d'avancer. Viens là. Alors j'avais vu dans une vidéo qu'il retirait ça, mais comment il faisait? Bon, vous me le direz dans les commentaires si possible, parce que j'aimerais bien connaître un peu tous les secrets de ce jeu. Y'a rien, y'a rien. Dégage. Ah, il fait sombre là. Oui. 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be any. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Rapidement, mais je... Try to find comfort and strength in that fact. There is a God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. One redeemer. C'est complètement immonde. Comment Dieu a-t-il pu créer des choses ainsi? Je vais aller lui parler tout à l'heure. Hall d'entrée. La porte claqua violemment derrière lui, et il savait qu'il ne reverrait plus le vieux tailleur de Berkeley Square. D'une certaine façon, une autre âme solitaire à Londres semblait adéquate. Hop. Pour courir maintenant. Bah ouais, il fallait le dire, hein, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Wow.
Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Pourquoi il y a un... Mais c'est bizarre là. On dirait qu'il y a... Comme s'il y avait un bug de texture, je crois pas. Je pense pas que ça devait être collé au truc blanc. J'irai voir sur internet, mais je suis pas vraiment sûr de moi. Donc, un bug de texture, ça arrive. On sait pas ce qui m'empêchera de jouer. Donc, en tout cas, niveau graphique, graphiquement, le jeu, il est splendide. Il est juste splendide. Ouais. Niveau pour mes oreilles auditives, mon système auditif avec mon tympan. Non, je peux partir dans la biologie. Ouais, c'est nickel. Franchement, je suis pas déçu du tout. Première impression, nickel pour l'instant. Bon, alors niveau gameplay, je suis plutôt. J'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai pas encore eu trop peur. C'est quoi ça? Wow! Oui, il y a un bug de texture, je pense. Ouais. Effectivement, bon, bah, on ira voir ça sur internet. Hein, je dois. Oh, j'avais pas vu, toi. De l'huile. Tiens, on va prendre celui-là. C'est quoi? C'est un coffre, celui-là? Voilà! Enfin, mon premier coffre. Donc. Y'a rien dans les notes, tiens, par hasard. La note de Daniel Hummel. J'aurais aimé te demander ce dont tu te souviens. Je ne sais pas s'il me restera grand-chose après avoir bu cette boisson. N'aie pas peur, Daniel. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais sache que je choisis d'oublier. J'essaye de trouver le réconfort et la force dans ce fait. Il y a un but. Tu es ma dernière chance de pouvoir remettre les choses en place. Si Dieu le veut bien, le nom d'Alexandre de Brennenburg évoque toujours de l'amertume en toi. Si ce n'est pas le cas, ce qui suit va te sembler horrible. Va au sanctuaire intérieur, trouve Alexandre et tue-le. Son corps est vieux et faible, et le tien, jeune et fort. Il ne pourra pas te résister. Une dernière chose, une ombre te suit. C'est un cauchemar vivant, défiant toute réalité. J'ai tout essayé et il n'y a pas moyen de se défendre. Tu dois y échapper aussi longtemps qu'il te sera possible. Daniel, rachète nos deux âmes. Descends dans l'obscurité. Alexandre t'attend et le tue et tue-le. Ton ancien toi, Daniel. Ok, c'est tout ce qu'on a. Journal intime, on n'a rien. Des espèces de tissus organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Hop, donc bah, on va le savoir tout de suite. Donc, faut que j'aille où? Bon, après, hop, je vais au plus près. Hein. Gauche, droite, gauche. Allez, gauche. La cave à vin. Bah, c'est fermé. Bah tiens, on va lire tout de suite la note parce que... Bon, tranquille. D'accord, il n'y a pas une note. Mais on va trouver la clé de la cave à vin. Très utile. Je pense bien qu'il faut la trouver. Putain, par contre, il est lent le bonhomme, là. Laboratoire. Les autres enfants l'encourageaient. Il criait son nom de plus en plus rapidement, l'encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. C'est un peu crash, hein. Je sais pas ce qu'il faut se dire. D'accord, il y a des bruits de hyènes là. Allez, allume. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ah, mais le gars, il a peur pour rien, quoi. C'est bon, il voit de la poussière. Oh mon dieu, un fantôme. C'est quoi ça? De l'huile. Donc. Ça m'a soufflé en pleine. Une tronche là, y'a rien. Non plus. Hop, c'est pas grave. Bon, on peut pas passer par là. Hop, ouais, donc si vous avez des idées à me proposer, si vous voulez que je. Dites-moi déjà comment je peux faire pour avoir les cartes personnalisées. Et aussi, une chose, je voulais savoir. Si vous pouviez me dire des trucs, des secrets du jeu, comme comment trouver des choses, comment faire ci, comment bien s'en sortir, comme ça, ça me permettrait de... Non, c'est pas un coffre.
permettrait d'être plus à l'aise dans le jeu. Ou alors, je suis pas non plus, vous avez dû remarquer, je suis pas non plus super à l'aise avec les commentaires. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait plus de mur. Et bon, un avis personnel, c'est que je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'arrive encore à bien pas trop faire de blanc, mais j'en ai encore. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans le cadavre. D'accord, il faut que je fasse un truc ici. Ok. Mettre de la matière, tiens, hop, comme ça on va pas mettre trop de... de produits avec des X là, franchement XXX c'est bon hein. C'est fini hein. Cette mode c'est quoi ce délire, il y a l'air d'avoir une bébête là dedans. Oh non, c'est quoi ça? There should be more coop rats. Hop, ok, y'a rien. And one part. Aqua Force. Ok. Ah, l'amadou. Mais quoi là-dedans? C'est quoi ça? Un jour, je reviendrai. Si ce n'était pas pour toi, mon amour, je ne pourrais pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi à respirer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux. Ils ont une ambition sans limite dans leur quête du pouvoir, alors que moi je ne veux qu'un jugement qui soit juste et en retour assuré. D'accord. Oula mince, je me suis gouré de trop de boutons. Faut l'appuyer sur. J'ai eu peur, j'ai cru que ça avait bugué. C'est quoi ça? Flacon chimique. C'est la troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et leur piment sont une garantie et les cupitres les maintiennent par un ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Ah, et puis comme par hasard, nous, on s'y connaît pas du tout en chimie, mais je suis sûr et certain, oula, qu'on va trouver le moyen de... Je sais pas, de faire ça, là. Je suis sûr que c'est là-dedans qu'on va aller. Y'a rien à faire ici. On se casse. Ah mais j'ai plus de... Ouais, je me disais bien. Oh. Blue. Voilà, c'est quoi ça? Un léger mal de tête, tout est ok, tout est bien. Super. Je suis content pour toi. Tiens. On va courir, hop. Ah là là, vite. Donc. On est de retour ici. Ah, c'est dégueulasse. Mais là aussi il y a un bug, putain c'est quoi ça, c'est quoi ce délire? Je vais aller me renseigner sur internet parce que j'ai des petits bugs de texture là, ça affiche des carrés blancs autour de certaines textures. Donc j'irai voir sur internet si je peux régler le problème. Puis au pire tant pis, on fera avec hein. Moi je vous dis ça me dérange pas plus que ça, franchement c'est 2-3 petits détails. 18h40, ça fait donc bientôt 20 minutes que je tourne. Bon ça va encore, je peux aller jusqu'à 25 minutes tranquille. Il tomba sur le sol de la cuisine. Des larmes commençaient à remplir ses yeux alors qu'il recevait le premier coup de pied dans son estomac. Hercel resta cachée, par peur d'être elle aussi punie. C'est un peu sado dans ce... Oh là là! Elle aurait pu peut-être gueuler comme ça, hein. Moi, même moi, ça me fait peur, quoi. Faut que j'aille où, là? Je suis pas allé en haut tout à l'heure. Je pense pas que je puisse ouvrir. Porte. Non, il y a un éboulement. D'accord. Bon, alors ça, je dois avouer que c'est inexplicite. Vous voyez des belles pierres taillées partout. Hein. Elles sont belles, hein. C'est très joli. L'architecture est très jolie. Et là, d'un seul coup, t'as des pierres à moitié vertes qui viennent d'une montagne. Je sais pas pourquoi. Il y a une montagne à côté. On peut pas voir parce que vous voyez, il y a du soleil tout le temps. Tablarium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Archive. En bas, la porte rouge me donne pas confiance. On va aller en bas. Et vu que
que je suis allé en bas, je vais devoir retourner en haut car je crois que j'ai vu une porte avec des planches. Super. Bon, on va aller dans cette super porte rouge. Et on va se quitter juste après ça. Voyager vers Dover supposait un passage par Canterbury. Il s'assura d'y rendre une visite à sa famille pour éviter de se sentir coupable. Ouais. Un truc basique, quoi. Donc, je vais me poser sur cette toile d'araignée. Et je vous dis, je vous remercie de m'avoir regardé. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, merci. Donc dites-moi si ça vous plaît, et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, quoi. Vous connaissez la procédure, hein? Ok. Allez, merde. Je vous dis salut à tous, c'était MrBeatStation14 pour une vidéo sur Amnesia The Dark Descent. Salut!